Hello les amis, c'est de nouveau moi, Aventure Manto. J'en prie pour le second épisode du jour. Direction après Saint-Denis, la ville de la clé. Le disque pour retrouver la clé de vent. C'est parti. Donc nous sommes téléportés dans le devant de la Clotus, mais on est en bas d'un arbre, donc il va falloir grimper. Donc il y a énormément de chemin à faire. Oh ça alors, quel mignon. Salut cousin Quentin, ça faisait longtemps. Camille Young, mais que fais-tu ici? C'est cousin Simon qui m'a envoyé ici pour prêter ma part. Ah, ça expliquerait pourquoi Sabrina me plaît avec nous. Sophie et Eric sont au courant de ça. Maman attend pas beaucoup. Oui, oui, mais ils sont touchés par le virus aussi. Non, le virus ça va bien. Au chemin dans la clôture, j'ai trouvé ce petit démon dans sa tête. Il a dit que c'était une bleue avant. La clôture du virus, il a changé d'apparence. Il est assez affaibli. J'ai de l'eau sur moi, je pourrais le donner. Ça ne mangera pas. Est-ce qu'il se peut un truc sucré? Mais c'est un arbre sans fruit. Un arbre sans fruit ici. Oh, il est parti. Hein? Je pense que son espérance de vie était mince. Quelle tragédie. J'étais vraiment pas sur ce coup. Attends Camille, rattrapons-le. Eh, hey, mais pourquoi il s'est enfui? J'ai l'impression qu'il a l'air de s'en vouloir les amis. Attends, il est parti, mais vite fait. Mais combattre des monstres seuls dans l'arbre, il est fou. Oh là 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 là, les amis, les amis, les amis. Si on rattrape pas vite fait qu'il est bien, on risque d'avoir des problèmes. On va monstre. Moi je suis utilisé complètement. Plus trouvé. Quentin à niveau 10, la décélération est apprise. Le niveau 17 est à niveau 17. Bien, bien. Cool. Ah, pour la prochaine corde que je vais prendre pour grimper à niveau. Grimper sur la. Cette herbe m'énerve. Oh, mais quand même, il exagère le système. Ah, ce défi qui sont en train de jouer de la musique. Et voici le lac Lotus. Ah, voilà des courageux, trouvez la clé et après ce sera votre défi. D'accord. Allez, on va récupérer la clé devant.
Là voilà la clé de vent. Ça fait 3 clés qu'on récupère les amis. On avance bien. Mais revoici Lucas qui va encore nous défier. Je vois que tu as lancé un troisième défi. Tu es vraiment intelligent. Ça me plaît. L'esprit d'équipe est votre réponse suivante. Ok. Il va falloir être rapide. Voici bon esprit d'équipe. On va battre Lucas cette fois-ci. C'est quand même fort hein, les gars hein. Yeah, une victoire de plus. 18, niveau 18. Le défi est accompli. Bravo à vous. Gardien d'éclairez-vous ou le garçon passé pas hein? Je ne sais pas, mais il n'est pas venu. Oh oh. Cette voix, c'était Camilla. Camilla. L'espoir est en sa voie de justice. Lumineuse lumière du cosmos. Stellar guide notre chemin. Mais oui, Camilla est en danger les amis. Je n'aime pas ça du tout. Un démon. Quand pourrais-je plaisir. Quel honneur de vous rencontrer. Comment connaissiez-vous mon nom? Oui, les démons, c'est sûr. De Camilla, répondez. Le garçon. Oui. Wow. Camilla, tu vas bien. Mon Quentin ne touche pas. Quelle heure. Ce mot commence à trembler tout en plus. Monstre, alors c'est toi qui as contaminé notre balade. Tout à fait. Mais je n'ai pas confiance. Vous avez la musique. Jouer. Hé, il est parti. Hé. On est vraiment obligé de le combattre là. Oh, si jamais on est touché, on va être contaminé aussi. Mais oui, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais Camilla n'a pas l'air d'agir. Comment on peut arrêter le processus? Aucune idée. Tant pis, on a pas le de tuer. Mais si on peut pas se faire être triste et en colère après moi. Je le sais. Tu m'as. Ça va aller. Je sais que vous ne devez pas prendre la de ce matin. Allez, tu m'as. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Je sais, mais c'est ça malin. Allez, n'hésite plus. Tu m'as. Il a vraiment l'air. Un air comme qu'on va monter un grand tueur de l'air. C'est dingue. Oui, et qu'est-ce qu'il a fait? Quentin, il s'est trop strana, il va monter. Une hémorragie. Quoi? Il s'est planté sa propre épée sur lui-même. Ah! Où on va? Aucune idée, mais on va se téléporter ailleurs. Hé, hey, on est chez Simon. Oh là là, cette maison, elle m'a trop manqué, les amis. J'espère qu'avec ces bandages que tu vas tenir jusqu'au retour d'Eric. On est de retour à Futuru, les amis. Quentin, tu es sûr que ce docteur sera là? Attends, Sabrina. Il faut attendre, mais je suis sûr qu'il arrivera rapidement. Surtout que vous êtes sorti nulle part comme ça. Ah, où on est? C'est chez moi. Vous êtes Sabrina, vous êtes Camilla. Radio-nique.
contentement, moi. Pas tant pas. Mais si on a un gros problème, mais regardez. Quentin, qui est-il arrivé? Quentin, vous insinuez vous saignez vite. D'accord, mais aidez-moi à transporter jusqu'à la maison. C'est bon après-midi. Et toi, Camilla, va à l'hôpital avec le bandage. Ah, voilà, c'est... Bon, voilà, c'est... Enfin, il m'a fait cuite quand t'as besoin d'une opération d'urgence. Oh mon dieu, les morales. J'y ai très rond. Pas tant de parler, on prépare le matériel. Tout de suite. Waouh. Quelques heures plus tard. Voilà, j'ai terminé. Quel soulagement. Il aura besoin de 6 semaines de repos pour guérir totalement. Oh, bah dis donc, tu m'étonnes. Mais... Moi j'ai dans... Moi il y a un truc que je comprends pas les amis, c'est pourquoi est-ce qu'il a refusé de tuer. Mais Camilla, il est quand même dingue. On doit éviter de combattre aussi. Ouais, ça vaut quoi absolument. Le lendemain. Ah, quoi? Cette maison. Allons dehors. Ok. Ok les amis, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais sauvegarder. Qu'à gauche je retrouverai la playlist, à droite je retrouverai les pins. Les autres suivants, la prochaine fois. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Ciao, bye bye.